viens de filmer ma routine cheveux, maintenant je filme un peu pour le teint, comme ça je veux dire qu'aujourd'hui j'ai bien bossé. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma nouvelle bébé crème chérie d'amour que j'aime à la folie. Vous savez que j'ai eu une très très mauvaise expérience avec la CC crème de chez Bourjois. Je pense que je n'ai plus besoin d'en parler. Voilà. Donc après la caca crème de chez Bourjois, j'étais traumatisée, vraiment traumatisée des produits pour le teint. Et donc j'ai dit sur Twitter et Facebook, mais mon dieu, trouvez-moi la bébé crème de mes rêves s'il vous plaît, où est-ce que je dois aller, etc, etc. Et donc il y en a qui m'ont dit que la meilleure bébé crème qu'ils avaient testée, c'était celle de chez Herborian. Et donc voilà, et donc comme je suis en partenariat avec Easy Para Pharmacie, ils m'ont dit très gentil, ah bah tu cherches une bébé crème, si tu veux nous on peut te l'envoyer. Et donc là j'étais trop contente, je me suis dit pourquoi pas. Sachez que j'allais aller l'acheter moi-même à Sephora, mais comme on me l'a proposé, j'ai dit bon bah pourquoi pas, mais je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je l'adore et je vais moi-même la racheter en plus grand, parce que ça c'est vraiment petit par contre, mais je vais la racheter moi-même avec mon argent en plus grand, parce que certes elle coûte un peu cher, mais mon dieu c'est le meilleur produit pour le teint que j'ai testé, et sachez que j'en ai testé. Ça c'est vraiment mon produit préféré, donc c'est une bébé crème déjà, donc elle l'hydrate en même temps qu'elle... qu'elle couvre. La couvrance est vraiment géniale. Moi je trouve que c'est ni trop ni pas assez, c'est à dire que ça cache vraiment les trucs pas beaux, mais ça vous fait pas un effet plâtre genre je peux plus bouger, j'ai du plâtre sur la gueule. Voilà, donc c'est génial, elle sent super bon, c'est effet peau de bébé, donc voilà, je pense que tout est dit. Eva me l'avait conseillé et voilà, je pense qu'elle a raison, elle m'a dit mais c'est un produit japonais il me semble, et forcément elles ont toutes des peaux de bébé là-bas, donc tout s'explique, voilà. Et donc pour vous montrer, là je viens de l'étaler, et est-ce que vous voyez quelque chose? Non, donc ça fait pas effet plâtre, mais je vous assure que la peau est vraiment sublimée, et moi je l'aime beaucoup, donc j'ai pas fait de vidéo première impression, parce que je voulais vraiment tester bien le produit avant de vous orienter vers un produit teint, surtout pour le teint, c'est vachement important de faire attention à ce qu'on met sur la tête, voilà. Et en plus, cette bébé crème est hypoallergénique, donc moi qui ai une peau vraiment... qui réagit mal à certains produits, qui est super sensible et tout, c'est le produit qu'il me fallait et je sais pas pourquoi j'en ai pas entendu parler avant. Pourquoi ? Donc voilà, autre point positif, c'est excellente base de maquillage, c'est écrit. Et donc en fait, quand j'en mets, moi j'en profite pour en mettre un peu sur les yeux. Et c'est vrai que moi ça me fait une excellente base, j'ai pas besoin de remettre une base pour faire à paupières. Donc voilà, après chacun voit les choses comme il veut. Il y en a qui veulent absolument mettre une base sur les yeux. Moi c'est pas indispensable. Et en plus avec ça, tout est fait. Donc c'est une crème 5 en 1. Et ben je veux bien les croire cette fois-ci, parce que tout est fait, tout ce qui est dit, c'est-à-dire unifie le teint, c'est bon, camoufle les imperfections, c'est bon, hydrate, nickel, nourrit et donne un effet peau de bébé au toucher parfait, et c'est juste ça, parce que quand on touche la peau, là je vous touche la peau, j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé, c'est trop mignon, voilà. Et cette bébé crème unifie vraiment le teint, dans le sens où comment dire, moi en fait je veux que mon teint soit travaillé, pas parce que j'ai des boutons ou quoi que ce soit, pff, à la limite c'est pas très grave, mais par contre c'est vrai que j'ai un problème de couleur, dans le sens où là j'ai absolument pas la même couleur que là, que je n'ai pas la même couleur que là, là je suis limite jaune, là je suis bronzée, là je suis toute blanche, c'est trop bizarre, ma peau elle est vraiment trop bizarre, je sais pas si vous ça vous fait pareil, c'est un peu une dépigmentation ou je sais pas trop ce que c'est, et donc c'est pour ça que j'adore mettre des produits pour le teint, pour cacher un petit peu le désastre de couleur. Donc voilà, et cette bébé crème eh ben, elle remplit vraiment toutes mes attentes. Donc voilà, le seul bémol c'est que vraiment là elle fait j'allais dire 12 millilitres, mais non c'est 12 mois en fait, hein, écrit sur le petit pot, espèce de connasse. Apprends à lire, demain c'est les vacances. Donc le seul bémol c'est qu'elle fait 15 millilitres, donc voilà par rapport à ma main, voilà par rapport à mon visage. Ça fait un moment quand même que je l'ai et elle tient toujours, ce qui m'étonne beaucoup parce que je n'en vois pas la fin, c'est bizarre. Mais c'est vrai que vu comme ça on se dit oh là là, hein, je sais plus c'est quoi le prix, mais il me semble que ça fait vraiment cher et que le pot en mode normal coûte une trentaine d'euros. Je sais vraiment plus, mais je vous écrirai tout ça ici. Et je trouve que ça fait cher quand même, mais ça me dérange absolument pas de mettre ce prix là dans une bébé crème.
quand je vois que certaines BB crèmes à 10 euros font de la merde, voilà. Et vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, moi le teint c'est vraiment la partie de mon visage où je mettrais même 50 euros pour un produit, il n'y aurait aucun souci parce que le teint c'est très important. Bref, voilà, j'aime beaucoup cette BB crème. Je suis pas très forte pour les revues, je saurais pas quoi vous dire d'autre. Mais surtout si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Donc voilà, moi je l'ai pris en teinte light. Je crois qu'il existe 3 teintes et moi ça se confond parfaitement. Donc voilà, si vous avez une peau à peu près comme la mienne, eh bien vous pouvez prendre la teinte light. Je pense que je prendrai la teinte d'au-dessus et en plus gros pot pour l'été. Et j'ai trop hâte de l'acheter encore parce que voilà, je l'aime et je pense que je changerai pas de bébé crème de sitôt. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc voilà, merci Herborian. Je connaissais pas du tout cette marque. J'ai rien testé d'autre, il me semble, de cette marque. Mais pourquoi pas, vu la CC crème. Donc voilà, si vous avez testé d'autres produits de chez Herborian, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé. Ça m'intéresse vraiment de savoir et de tester aussi. C'est un petit peu une excuse pour dire à Gaëtan, mais c'est les abonnés, elles m'ont dit ça. Voilà, n'est-ce pas Gaëtan? Quoi? Si les abonnés elles me disent achète ça, je dois acheter. Si elles me disent ça, c'est trop bien. Alors moi, je suis obligée de tester. Donc, c'est pas moi, c'est les abonnés. Ouais, vous avez vu. Faut qu'elles te disent de m'acheter des chaussures. Là. Non, je t'avais... Dites pas ça s'il vous plaît. Je rappelle que j'ai eu cette BB crème sur le site Easy Parapharmacie. Donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et puis moi je remercie donc ce site de m'avoir envoyé cette BB crème et de m'avoir permis de trouver le produit de mes rêves pour mon teint. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire quelle est votre BB crème à vous. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Vous avez plein de choses à me dire aujourd'hui en commentaire. Mais c'est bien, moi j'aime bien tout lire. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao. Cheveux et plus particulièrement routine sur le podium des c'est l'instant futile.